Salut tout le monde, comment allez-vous les, 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 les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis Bon, euh, entretien à Speedy ce soir, euh, les Friends. Euh, alors il s'est passé des choses, hein. il s'est passé moultes et moultes choses depuis hier. Euh, depuis hier ou avant-hier Je sais plus. Je sais plus quand c'est que j'ai streamé. Euh, il s'est passé, on s'est fait embaucher chez Rapid Transit Rapid Transit tu as des problèmes de, problèmes de, comment dire, de merde, je ne pas à le sortir. Excusez-moi. Ah, tu as des problèmes intestinaux Un rapid transit. Donc non, on est chez, euh, on est chez Rapid Transit. On a été euh, embauché généreusement. Le temps d'attente, euh, enfin le temps que, le temps que, mais que je, que je me fasse embaucher Speedy. Normalement, le temps d'attente, c'est 5 jours. Non, c'est 5 jours. Et euh, exceptionnellement, enfin c'est pas exceptionnellement, c'est qu'en fait en faisant une course, euh, mais je suis allé chercher donc, euh, je suis allé chercher Madame Val, Madame Roxane Val, bonjour, un taxi disponible pour me ramener dans le sud, Roxane Val, euh, Marius Pipoulin a pris le truc. Euh, salut, euh, salut Tri, salut Oufti, euh, ouais je le lance maintenant, c'est pour avoir l'entretien le, 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 à l'SPD en, en vidéo quoi, un petit truc hein, un petit... Euh voir comment ça va comment ça va se passer donc euh, ouais il est parti chercher Val euh, Marius il est parti chercher Val du coup bah, comme je vous dis il est, il est passé taxi donc euh, là aujourd'hui j'ai pas arrêté j'ai je vous dis j'ai joué en off pratiquement toute la journée j'ai fait le le que je devais faire de 90 voitures quatre euh, clients comme ça je suis tranquille et euh, et euh, normalement, voilà, c'était censé être vendredi l'entretien. Et en discutant avec Roxanne Val, euh, elle m'a dit bah, du coup, bah, ce soir, 20h45, euh, si ça vous va, euh, 20h45. Donc j'espère que ça va se passer ce soir. Je vais la, je vais la relancer euh, tranquillement. Euh, voilà. Donc, euh, entretien à l'ESPD ce soir, on va voir ce que ça va donner. Euh, et puis voilà, quoi, tranquille. Mais voilà, du coup, Marius. Euh, Marius, est... Et pour les stats, il, il est taco, les gars. Marius, il est taxi. Alors, vous avez loupé euh... enfin, le truc. Euh... Ah, petite scène RP aussi qui s'est passée. Il s'est fait. Euh... Marius, il s'est fait agresser. Marius, il s'est fait agresser. Vous le connaissez, l'habituel. Hein. Euh, bienvenue à Los Santos. Euh, il s'est fait agresser. On lui a piqué 1700 balles. Hein, parce qu'il avait gagné 1700 balles, en fait. Et euh... donc, le mec euh... a pris 1000 euh... mille... 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 Mille balles au final. Parce que le... Marius lui a donné 1700. Et, euh, et le gonz lui a rendu euh, 700 donc euh, le mec a pris que 1000 balles euh, démasqué euh, Marius est parti porter plainte du coup les speedy donc là j'en sors euh, je suis revenu poser ma voiture vite fait manger un goût un bout et puis euh, voilà prêt pour le prêt pour le alas, speedy pour le, pour le petit entretien alas speedy Los Santos police department euh, petit changement il a les plus, plus roux il est plus roux, il est brun. Parce que c'était cette couleur que je voulais en fait. C'était pas roux. Il est brun avec une jolie petite beubare des familles. Regardez-moi ça. Bagasse. Et on même un petit. Il est en mode sportswear. Avec jogging et baskets. Donc, euh, donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. En espérant que ça, ça se passe bien. La Kalahai. Putain, il est super cher ce parking ici. 10 dollars de l'heure. T'imagines 10 dollars de Oh. Ça me pète aux yeux. <laughs> bah grâce eh, Presque autant que toi, ouais. Pas loin. Eh, je voulais voir pour lui mettre une casquette ou je sais pas trop comment je voulais le saper. Euh... Euh, Jaco c'était la classe incarnée, mais lui c'est pas pareil. Attends, je vais, je vais voir euh, les jeunes ce jardin là. Ah mais c'est pas... Euh... Je pensais que c'était Pietro. Ah si c'est Pietro. Pietro y a plus de place C'est pas vrai. Ouais. Je con, tu hein. reprends le service par hasard Pas du tout, je vais faire passer mon entretien là. À 20h45 comme je t'ai dit tout à l'heure hein. Ça marche, ok. Voilà, donc je vais, je vais faire ça et puis je te tiens au jeu après. Ok. Ok Je vais garder à chaque fois. A toute Bonjour voilà Salut Mina Salut Trixel, comment tu vas Tu as la pêche ou quoi Quelle voiture En tout cas c'est un bon town, ça tu te trimballes en, en Calari. En fait, euh, pour vous expliquer, euh, Marius a eu un mal de tête, il roulait en Calari, il a eu un mal de tête, okay. Il s'est ré... Donc euh, il est revenu en ville, hein. euh, et en fait il s'est fait voler sa voiture par quelqu'un. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'il s'est fait agresser et qu'on lui a volé mille balles. Et dû à un mal de tête. Non, mais moi je bosse plus là. Je te le dis, guten tag, j'aurais besoin d'un taxi, pour aller vers Pour aller à parking de l'aéroport Bit Ah bah c'est pas pour moi. Moi je vais à mon entretien et à la SPDI. Et eh bien ça va bien, regarde, j'ai mon entretien à la SPD ce soir en avance. Euh, on m'avait dit 5 jours de traitement. Euh, le RP en a voulu autrement. Donc on va voir ce que ça va donner ce soir. On va, on va se mettre euh, ponctuel. On va être euh, ponctuel, les gars. Voilà. On est toujours dans la ponctualité. On arrive à l'avance. Voilà, on est 8 minutes à l'avance. Oh, un Allemand! Ah! Un Allemand! Danke bitte! Et donc, on va voir ça. On va faire son petit entretien à la Speedy. Par contre, euh, point cool. Euh, en étant taco toute la journée là, j'ai croisé plein de gens. Enfin, plein de gens. J'ai croisé des gens. Donc le RP taxi c'est pas mal parce que tu croises des gens et tu apprends plein de petites infos. Ce matin, euh, j'ai pris M. Barus. c'est pas qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Mais j'ai pris M. M. Celie. Donc, tu sais un peu un peu ce qui s'est passé de la veille. C'est sympa. T'as un peu les ragots quand es, quand t'es taco. Ça rime en plus. Quand t'es taco, t'as les ragots. Quand t'es taco, t'as les ragots. Ah bah voilà, bah, je suis pas le seul. Hein. Par contre, c'est des clopes que je voulais acheter. Je voulais le faire fumeur lui. Mais... Et on va voir ça. Soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez, bah, là. vous pouvez pas vous pas vous avez mal aux au genoux. Ouais. Allez là-bas, allez là-bas. Je l'ai je l'ai un le lieutenant la balle. Je l'ai Regardez, J'ai des trucs. Euh, on sait jamais si elle me demande de faire des choses. Non, ben non, mais. Ok. C'est un entretien préalable à l'SPD. Au moins j'aurai une réponse. Je pourrais aller bosser. Comme ça, on fait, un... c'est un stream rapide, les amis. Je vais pas rester jusqu'à. Je vous le dis, ça va pas. On va pas rester jusqu'à 3 heures du mat. C'est vraiment euh... ponctuel, histoire de d'avoir la trace pour l'histoire de pour l'histoire de Marius. C'est vraiment pour ça. ça va. Vous avez bien mangé Pour ceux qui ont mangé, bien sûr. Moi, j'ai mangé un speed, hein, Je vous le dis rapido, coquillette hein, comme d'habitude. Coquillette beurre, euh, la là base. Là -bas, là -bas. Avec, un avec euh, deux œufs. Voilà. Deux œufs, euh, pas au plat, mais deux œufs euh, durs. Voilà, on, est, on est. Deux œufs durs maillot. La base. Le mieux, c'est ton maillot. La base. Ton maillot coquillette beurre. Là, c'est bon. Un repas des champions. Des oiseaux sans tête. Ouais, c'est ça. Des œufs encore Guy, T'es pas encore Guy Chris Trix. Ah c'est bon je me je, j'ai je, 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 englouti vite fait parce que je me suis dit je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas combien ça dure durer en entretien Speed. Bah, j'avais fait avec Jacques, Jacques ça avait pas duré longtemps, ça va durer 20 minutes je crois. 20 minutes, une demi-heure tu vois. De quoi ouais, c'est vraiment manière 2 et puis après Tranquille euh... quoi, euh... Parce que j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à faire continuer à faire des tacos tu vois mais j'ai fait ma j'ai fait mon euh, comment dire j'ai fait mon, mon quota et 90 j'ai torché je sais pas si euh, si je continue est ce que ça vaut le coup que je continue pas sachant que je serai pas payé à la semaine enfin, que si je suis pris fin de semaine je serai pas payé à la semaine prochaine euh, 14 15 je ne sais pas je ne sais pas on verra bien après, il y a du taf, mais il y a toujours du taf de toute façon. Le soir, il y a du taf quand même. Mine de rien, t'as coup, il y a du taf. Hein. Vous voyez, euh... enfin, on croirait pas, mais il y a quand même, euh... tu vois, 13 minutes, 5 minutes, 45 minutes, 55 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. À peu près toutes les heures, hein. tu vois, 6 heures, 5 heures. À peu près toutes les heures, avec quelqu'un à 7 h 8 h 9 h Tu croises à peu près quand même à partir d'un certain moment, mais euh, voilà. As vu, il y a quelqu'un, c'était ce matin, il y a 10 heures, ouais, c'était à 10 h du mat. Oui après à partir de 10h du mat' quand même ça reste, euh... y il a du monde quoi Tu continues à bosser mais de temps en temps t'as une petite scène rp qui... qui arrive donc c'est plutôt pas mal quoi Ouais tranquille Tu viens me dans le toi me dans le trou du cul frère oh Oh frère Euh, Speedival chez les Tako, il y a du boulot, bien sûr. Chez les Tako, il y a du boulot, on dirait pas. Hein. Enfin, on dirait pas. En fait, c'est ça, c'est quand tu connais pas le RP, le RP Arc, par exemple, quand j'ai fait du RP Arc avec Jacques. C'était dur parce qu'il y avait très peu de RP. Euh... Enfin, soit tu faisais du RP comptoir, tiens, tu restais bloqué derrière ton comptoir, tu vois, et t'attendais. Soit sinon, tu allais faire de la livraison d'autres dog, et de temps en temps, t'avais quelqu'un qui t'appelait euh... pour acheter un truc à bouffer. Et à partir de 16h, 17h, avais les flics qui arrivaient. Donc là, tu pouvais commencer à faire un petit peu de RP. Euh... Voilà. Chez Taxi, on se pas le kiki. c'est pas mal. Il faudrait faire des, euh... des slogans, tout ça. Sais, hein. Bon, je vais attendre. Euh, je, je vais attendre. Euh, je vais attendre 45 et euh, 46 même. 47, allez. Je sais, pas quoi, je sais pas à quelle heure je vais. À quelle heure je vais faire. Ah, un message d'entreprise. Voilà, ça va commencer. Namasté. Vous pouvez venir me chercher. Alors, t'as Namasté. De guten Tag. Euh, t'as de tout. Hein. 59,95. Euh, 39,95. Je ne sais pas qui c'est. allez Tobé. Non, je sais pas qui c'est. Donc, euh, ouais, quand même, as... Le, le RP est complètement différent chez les taxis. Et ça enchaîne, en fait. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que tu arrives. Déjà, tu restes dans ta voiture. Tu restes dans ta voiture, tu prends ton client, tu l'amènes à un point A, tu restes dans ta voiture toujours, tu vas à un point B, bim, et t'enchaînes comme ça, tac, tac, tac. Chez Arc, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Nan, 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 nan. Là, c'est plutôt cool. Et es tout le temps en wagon, donc ça, c'est plutôt chouette. Pour connaître la ville, pour connaître les rues. Euh, plutôt pas mal. Connaître les petits trucs, c'est plutôt cool. Donc, après, j'ai pas essayé. Après, j'ai MST. J'ai pas, pas eu que des dégénérés, vraiment des ouf, les mecs. Non, mais voilà. Après, euh, Roger, j'ai testé Roger. Roger, c'est pas mal, on va dire. Mais le problème, c'est que tu peux pas bosser le matin, c'est un peu relou. Bosser le matin, arc pas fou, mais franchement, très surpris par les taxis. Disons que t'as envie. Enfin, c'est pas que t'as envie, c'est que le fait de conduire en ville déjà, tu vois, c'est voilà, c'est agréable. Tu es dans une voiture, euh... c'est cool. Bon, allez, j'arrête de vendre de, de vanter le, les taxis parce que le but c'est pas que j'y reste. Le but c'est pas que j'y reste. Avec 45. C'est là, c'est à 45. Est-ce que... Non, je ne vais pas prendre votre temps, ça fait un peu... Non. C'est un peu bizarre, hein. prenez votre temps. C'est genre, moi je lui, je lui dis, euh, ouais, prenez votre temps. Bonjour, voilà. Simple. Bonjour, euh, lieutenant, non, je vous attends, ça va cordialement, Marie-Spipulin. On va attendre un petit peu, histoire qu'elle soit un petit peu... Euh... Ouais, ça fait bof, tu sais. Ça fait bof, ouais. Euh, 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 prenez votre temps, tu vois. Non, mais... Si si, je dis, je, je dis ce que je veux, petit. Je dis ce que je veux, j'attends un perso russe pro-Union soviétique qui crée le Parti communiste à l'Est et là vraiment à ce moment-là ça appartient à savoir déjeuner gen... Ouais, tu sais, genre une Jimmy, tu vois. Une Jimmy Borov, tu vois, un truc... Euh... Voilà. Hop, on va sortir son téléphone là-bas. Ling, ling, ling. on va checker. Oui, ça fait bizarre. Après, ça fait bizarre. Euh, ça fait passif-agressif, c'est ça. Exactement. Là, ça fait, déjà, ça fait bizarre de dire je vous attends en salle d'attente. C'est une salle d'attente, donc obligatoirement t'attends. Tu fais pas autre chose dans une salle d'attente. Tu commences pas à dire euh, je fais un bowling dans la salle d'attente. Euh, tu vois Ou je boule dans le bowling. Tu vois C'est normal. C'est le but d'une salle de bowling. Recoucou, ça va Nadj Euh, bonjour, il y a des gens qui s'occupent de vous ou pas Alors moi j'ai rendez-vous avec madame, euh, avec le lieutenant à 20h45, mais je vois qu'elle est, euh, qu est, qu est prise, donc euh, je rejoins tant qu'il J'ai ah, pas ouais, fait ouais. d'appel hein. Ça fait, ça fait euh, 17 minutes que j'attends. Ouais, ouais mais on est, enfin il y, y, y a eu un problème avec le terme, ne vous inquiétez pas, euh, ça va arriver. Euh, je viens d'avoir euh, à la radio. Et vous êtes là pour quoi euh, recrutement. Un recrutement pour passer un entretien. Ah, oh oui, non, Avec mais vous avez minutes, le temps. Ouais. Moi, il m'a fallu au moins 45 minutes. Vous avez le temps. Oh, bah, ben, ça va alors, patiente. Voilà, 45 minutes. Hein, mais courage, euh, ça va, faut, faut persévérer. Ah. Ben, je vais attendre alors. Ça marche, merci. Bon, mmh. voilà. Je, ben, on va attendre du RP salle d'attente. RP Snake, hein. C'est ce que c'est. Hein. RP Snake. Hein. Voilà. Oui, d'autre côté, ça full spam des gifts. Comment ça, d'autre côté, ça full spam des gifts Mais ça va, ça va, ça va, nage. Ça full spam des gifts J'ai pas compris comment mot de passe. Non, parce qu'en fait, tu... c'est le mot de passe du téléphone, tu sais. Alors tu dis, euh, tu dis que c'est... Excusez-moi, euh, écrit... j'ai écrit coma en fait. Parce que j'étais pile poil quand j'ai tapé... Euh... Quand j'ai tapé coma, j'étais en train d'écrire un message et du coup ça prend le dessus et voilà, t'envoie... Euh... Elle me dit... Euh... Non, ne faites pas un coma monsieur. Salut fan de San, ça va Il est encore en live, hein, cette tête de pin de monsieur Skunk là Monsieur Skunk. Il est encore en live J'ai même pas checké. Il m'a fait un contrôle ce matin, cet enfoiré. Genre, mon feu était pas bon. Ah, il est plus en live. Et je crois qu'il va jouer ce soir même en off. Attends. Bonne soirée. Merci de même. Euh, du coup, Monsieur Shawn, il est là ou pas Oui, je suis ici. C'est comme ça qu'on dit Monsieur Shawn, c'est ça C'est bien ça. Ok, bah venez avec moi. Je vous suis. Il y a de l'entretien, il y a de l'entretien, il y a de l'entretien. C'est sur l'œil de Satsu, et il y a deux viewers qui ont gift des subs. Pour une fois que c'est pas moi. <laughs> Pour une fois que c'est pas moi. De toute façon, Triclope, moi je suis sûr il y a un truc avec toi. Soit tu boshes chez Twitch. Ok. Soit... <laughs> voilà, voilà j'ai eu le chat, j'ai le chat. Et alors, c'est pour une chaîne... Non, alors j'ai pas travaillé... Euh, ouais, j'ai travaillé, alors les emotes... Euh, Qu'est-ce que j'ai mis en emote Je ne sais plus, j'ai remis une petite emote merguez, j'ai changé, voilà. Elle est mieux, je trouve, la gaze, j'ai enlevé l'autre gaze. Le GG et le hype c'est ceux de Twitch de base que j'ai juste mis de couleur, euh, couleur orange tu vois. Euh, là il faudrait que j'enlève euh, que j'enlève le high le, le de Jack tu vois. Et que je fasse vraiment un perso, que j'arrive à faire un bon perso qui est Jack quoi. Qui est Jack, pardon. Mais moi j'ai du mal, qui est Jack. Il faudrait quand même que j'arrive à, à, à l'immortaliser. Et après on verra suivant. Euh... Ouais, soit t'es... Soit t'es PDG d'Amazon. Non mais il, bl il blanchit de l'argent. Je suis sûr qu'il tape dans un labo d'analyse. Il, il doit toucher des royalties, les gars, de chez euh, de chez Nestlé et de chez. Il doit toucher des trucs, c'est sûr, sûr, Il blanchit, il blanchit. Ce mec, ce mec, est un blanchisseur. Donc ouais, pour les icônes, pour les emotes, il faut que je travaille un peu, peu là-dessus parce que mine de rien, euh, bah, on peut en mettre un paquet. On peut, mettre, on peut en mettre neuf, en tant qu'abonné. Donc j'ai essayé d'en mettre au max quand t'es euh, au max viewer, tu vois. Enfin, elles sont au max en viewer, après elles sont pas foliches, c'est des trucs que j'avais fait. Mais là, il faut que je vois avec un pro. C'est moi la bourse. Je suis la bourse. <laughs> J'en marque la bourse. Et euh, non, non, et du coup, il faut que je vois ouais, pour... Euh, j'ai vu qu'il y, y avait certains gars... Euh, alors, j'aimerais bien trouver... Euh, c'est pour ça que sur les, sur les profils de Twitter des, des joueurs RP, il y a des... Y, y, il, il, comment dire, ils euh, il cautionnent, il cautionne, mais ils aident euh, certains graphistes. En fait, j'aimerais bien quand même un graphiste qui connaît l'univers euh, de Feli et de GTRP. Pour pas demander, tu vois, quelqu'un, moi je voudrais un papy, tu vois, le mec qui me sort un papy, tu vois, vraiment quelqu'un qui connaît euh, Jacques, je sais pas, qui connaît Jacques, qui connaît les Vivaldi, qui connaît le contexte, qui, et qui pourrait, voilà, juste avec un screen essayer de me sortir un truc, mais quand même en restant dans un univers un peu fail, tu vois, un peu Failly, quoi. Pas juste un mec lambda euh, d'autre côté du Pacifique euh, que je paye sur Fiverr et je lui dis tu, tu me fais un papy euh, Voilà qui ressemble à ça tu vois j'aimerais bien quand même qu'il y ait une patte, une petite patte artistique là-dessus là Donc euh, Il faut juste que je m'en occupe, il faut que je le fasse. Je vais pas vous mentir, je sais pas. Voilà. Alors, euh, mon perso, il en est où Mon perso, il en est... Euh, donc là j'ai l'entretien à speedy ce soir. Euh, tu vois, on la voit là-bas au fond, Val là-bas. Tu la vois au fond là-bas. Elle passe, elle fait passer les entretiens. Donc je fais, je passe entretien à l'SPD ce soir. Après, euh, j'attends, je sais pas combien de temps avant d'avoir. Euh... Ouais, je paye le stade de fini. Euh, le port d'armes, permis port d'armes. Du coup, PPA, je l'ai pas passé parce que il fallait que je paye 1005 de ma poche hier. MST, ils ont pas voulu me prendre trop délai trop court. Euh, parce que la for en fait, le temps de formation, en fait, il faut que tu ailles. Euh, c'est 2-3 jours, je crois, euh, de formation pour la MST. Donc, en fait, le temps que qu'on te forme, eh euh, ben, en fait, c'est déjà parti. quoi. Donc, euh, ça n'a pas trop, pas trop grand intérêt. Du coup, euh, on est parti côté taxi, qui eux, ça ne leur pose pas enfin, vraiment pas de soucis de me prendre euh, de manière temporaire, euh, même si c'est pour euh, 3-4 jours. Euh, ils s'en foutent euh, littéralement. Il s'en fout littéralement. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on a été recruté par Pietro Cometti pour ceux qui le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent d'ailleurs, c'est celui que, avec Jacques, euh, Gisèle, on avait fait un mou avec Gisèle et Jacques, euh, où elle chope Pietro dans un parking. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Euh, ben C'était Pietro Cometti. Voilà. Donc lui est devenu le chef euh, il est devenu le chef de, de, de Marius Pipolin. Et euh... voilà, et donc là on en est là, on touche nos petits 50 dollars de l'heure, du quart d'heure. Voilà, tu vois, on a 940 dollars, on a de quoi payer le parking pour la voiture, on a de quoi se payer à bouffer, on a des tickets, on a des pommades, voilà, c'est bon. L'URP se lance, et bien sûr, <laughs> on, est past... <laughs> on est parti acheter les verres Pastaga et bon, la mère, deux verres pastiche, et là, on a du pastiche, toujours, toujours un pastiche, sur nous. Hein ça il faut que je vois d'ailleurs avec, euh, avec la police comment ça se passe est-ce qu'on a le droit d'avoir un verre de pastiche à euh, tout de parce que c'est jamais si je tombe un pastiche, un pastiche, pastiche glycémie là voilà, un pastiche chimie, un pasti euh, glycémie là je trouve un mot genre un manque de pastis un hypop... un hypo un hypo, un, un, un hypo anus anis pardon un hypo anus c'est pas la même chose un hypo anis un verre de pastis j'ai les saucisses, j'ai tout ce qu'il faut pour l'apéro, hop, il faut avoir un pastis Saucisses et là, c'est mardi Donc voilà, et là on fait du RP à ta salle d'attente Donc du RP salle d'attente, on pourrait mettre une petite musique, attendez, je vais oui, je vous mets une petite musique de salle d'attente, vous voulez une petite musique de salle d'attente les amis Je vous mets une petite musique de salle d'attente, moi il a pas de soucis Il a pas de soucis, hop, il est où Là Hypo, <laughs> hypo pastitude Ah, c'est pas moi, avait C'est dire à dire Hippoglyricar. Hippoglyricar. Ben, L'hippopastitude, j'aime bien. Hein. Mais c'est le pastitude, tu vois. Oh, tu vois la pastitude. As... Et ouais, on a fait une scène aussi avec deux mecs du tu T'es mort de rire. On T'es. Explos... Enfin, voilà. Vous étiez pas là. Et... Parce que j'ai pas. Parce que je suis du quiche. Putain. Oh putain. Toby Clark 24. Merci. Merci à vous la bonne soirée et puis. travailler Et attendez quelques mois. et là. Voilà, Exactement. Voilà dans le sud. Allez. Ouais, J'ai eu ça d'attente. Euh, Zopal qui est juste là. Le mot c'est trahison. Non yes. mais. A bientôt. On s'occupe <laughs> oh, de vous, c'est vous euh, Ouais, c'est bon, euh, bonjour monsieur. monsieur euh, J'attends euh, le lieutenant Val pour euh, un entretien là. Ok, ok, pas de soucis. propose hypoanistémie. Oh Oh ça me, ça me plaît ça. Hypoanistémie. C'est ouf les mots de passe que tu as sortis. Ouais, j'ai coma, j'ai trahison. <laughs> Euh, Hypoanistémie, j'aime beaucoup. Ça fait très. J'aime beaucoup Hypoanistémie. L'hypojourne, <laughs> hypo là. Et l'hypojourne. Euh... <laughs> Les rôles vivent tous des traîtres. Ouais, l'hypoanistémie, moi je valide. Franchement, l'hypoanistémie, il faut que je le note. Je vais le noter quelque part. Je... Attendez, je prends un bout de papier. Ça, ça... Vous savez que ça ressortira. En, 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 euh... Ça va ressortir en patrouille. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Willing, oui, je le note sur un bout de papier. Et je vais me démerder pour faire un truc avec. Attends, hypo, on a dit anistémie. Hypo-anistémie. Moi, je suis un hypo-anistémie, là. Hein. Uh, uh, ah, il y a... Magnifique. il est arrivé, je suis désolé, fan de Sanouil, il est arrivé. Il a fait un drop, un drop the mic. Il a juste dit ça. Bonsoir, je propose blam. Tu vois, il a... Hop, drop the mic, merci, au revoir. Salut. Et après, il a mis ça, quand même sa petite pique, tu vois, son petit, son petit coup de... Il a mis son petit coup de couteau, quand même, il a mis... Les rerolls de sont tous des traites, quand même, tu vois, une manière de... Une manière de, quand même, rester sur, sur un truc... Euh... Une petite pique, tu vois, quand même. <laughs> merci, Triclop, pour l'abonnement offert à Willing, et merci beaucoup. Quand même, sais. Allez. Rp sale d'attente désolé <laughs> Non foi <laughs> Pour le mot que j'arrive pas à prononcer et écrire Hypoanistémie. Non, <laughs> ah mais c'est bien, bien Willing. Hein. T'as raison, il arrive, tu fais un drop the mic. Voilà. Des fois, ça arrive, c'est rare. Hein. T'arrives dans un chat, t'arrives, tu fais un drop the mic. Voilà. C'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour moi, merci.

Les collègues, ça me parle ça, je crois que je l'ai vu ce film c'est quoi les collègues Il est où Les collègues, ça me parle ce film, ça me dit quelque chose, en tout cas ça me dit quelque chose. Le fait de le dire avec l'accent. Vous <laughs> okay, vous de ça Les collègues, c'est quoi les collègues Ah mais oui, c'est avec Antonin non Ah c'est ça, oui je l'ai vu, oui, 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 oui. Et le frère Cantoche eu Bruno Solo C'est pas avec Cantona ça si c'est avec Canto là. Si il y a le frère Cantona Joël Cantona ouais c'est ça Mes collègues hein. Sur le web Allez vous chercher quelque chose à bord les amis hein, Si je regarderai, j'essaierai de checker ça. Pouvoir me hein, prendre des euh, des accents. J'ai déjà vu le hein, de J'ai vu, j'étais jeune. 99, euh, je pense que je l'ai vu, je devais avoir euh, 12 ans peut-être. Ouais, je, je, je. Si je revois, je penserai à toi. Je recheckerai. Ça, c'est le genre de film, tu l'as pas sur Amazon. Hein. Tu l'as pas en Prime. Hein. Tu l'as pas en Prime ou sur Netflix. Hein. Oh putain, Mammouth. Mammouth, c'était Auchan avant. Mammouth, quoi. C'est devenu Auchan. Mais chez moi, en tout cas, Toulouse, c'est devenu Auchan. Auchan. Toulouse, vie Mais il y avait pas une femme aussi Attends mais... Il y avait une grossesse là. Oh. Bon vous, en, vous allez en apprendre un petit peu plus sur le sur le, le background de monsieur. de monsieur Pipoulin. Tu vois les questions qu'on nous pose. Regardez les amis des secondes, hein. je me mets en mute. Cody, je ne connais pas Cody. Moi, tu sais, je fais Avant, avant, euh, putain de temps, c'était Torrent, Emule, Casa, euh, Imesh. Alors, là, il y a des gens qui connaissent ça. Imesh, les gars. Imesh. Il y en avait un autre. C'était Sheraza, Il y avait Casa, Casa Light, bah, Imesh. Euh, voilà, c'était cette époque-là où où je délais à fond. Et depuis. Euh, en fait, depuis, Netflix, depuis que Netflix existe, quoi, euh, je dirais plus. Je plus, j'ai trouve plus de. Avant, je, je, je Après, c'était différent à l'époque, t'avais pas un coup de flux, attendu. Oh putain. Ça va. Ça y est, ça va. Tout le SPD va partir, quoi. On va, va dire, bah, tu attends 25 minutes. Pourquoi tu eh, casse la tête, hein. Je vous le dis. Casse la tête, hein, cette musique. Ouais, ça y est, ça s'équipe. Voilà. On va chercher... Ouais c'est ça, pour quelque chose que tu trouves pas c'est un... On est bien d'accord Oh nous ne sommes, nous sommes bien d'accord Tu sais à l'époque tu t'extasiais Tu t'extasiais Moi je suis resté, sans mentir Mais maintenant avec le recul tu te dis c'est débile Mais je suis resté pendant une heure, une heure, hein, à attendre un mp3, frère. À attendre un mp3. Ou un album, plutôt, un album, pas un mp3. Pendant une heure, à regarder le DL, tu vois, sur casa Et tu voyais, t'étais fan, tu voyais euh, 12 kilos, 12 kilos, tu vois. T'étais 12 kilos, ça montait 13 kilos, 14 kilos. Et des fois, je sais pas, le système, il buguait, tu vois, et ça, ça te montait... Ça te montait un coup à je sais pas, à 500 kg, intrépide. <laughs> ça te montait d'un coup à 500 kg, tu te disais, ah, ça y est, c'est trop bien, tu vois, tu as eu un pic de, de, de débit, c'était ouf. Euh, moi, 87, mais début 87, donc tu vois, on est à la même époque à peu près. Euh, J'ai eu, eu la chance d'avoir un beau-père un un beau qui m'a... AOL, ah, well, well. Je croyais AOL. Moi, je croyais qu'en fait, quand tu prenais les CD AOL, well, il y avait écrit 50 heures gratuites dessus. Et je m'étais dit... Vas-y, tu vas chourave, tu vas chourave euh, plein de CD et en fait tu vas faire 50 heures, puis après 50 heures, puis après 50 heures, puis après 50 heures. Après 50 heures tu vois je, 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 Moi j'étais dans cette optique là quand t'es gamin. Sauf que non, en fait tu payes 50 heures, tu payes un abonnement et puis voilà. C'était un. Ouanadou, euh, putain. Ah, le, le, le truc Alcatel, c'était le truc Alcatel là, le, le truc vert, le modem 56 Alcatel. on se souviendrai toute ma life. All my fucking life, man. A l'époque, t'avais pas de stream. Hein. Si tu streamais, tu streamais 3 pixels, frère. Hein. Et tu... <laughs> tu streamais 3 pixels. Et euh... c'était... Euh... Voilà. Tu streamais 3 pixels. T'étais content, t'avais... Euh... Voilà. Tu bouffais la bande passante de tout Toulouse. Hein. Aujourd'hui, tu t'imagines si à l'époque... Si tu prenais... Ah, le bruit. Hein. Papy à 23, c'est chaud. C'est chaud. Ah, le bruit de la connexion épique. Épique. Le chat caramel. Moi j'étais sur voilà chat. Moi, il y avait ça, il y avait IRC aussi. MIRC au tout début. Putain, ça, me... ça me fait des souvenirs. Putain. <laughs> je vais chialer, putain. Mais quand tu regardes mon compte Steam, il a 16 ans. Non, il a combien Je crois qu'il a 16 ans mon compte Steam. Euh... Je l'ai créé pratiquement au tout début de Steam. Mon compte Steam, je l'ai créé. Il y avait... Comme jeu, sur Steam, il y avait Half-Life, Counter-Strike, Day of Defeat. C'était vraiment le tout début. Il y avait CS, mais c'était pas 1.6, c'était 1.5, à l'époque. C'était 1.5, moi j'étais fan de 1.5. Et euh, 1.6, j'ai arrêté, tu vois, c'était déjà... ça a été trop, tu vois. C'était... Euh, c'était too much, tu vois. Il était pas sur Steam, 1.5 Si, si, 1.5 était sur Steam, hein. Mais c'était, euh, il me semble pas que c'était CS. C'était peut-être un add-on. Euh... Il me semble, là, CS. Attends, tu me le doutes, ça y est. CS 1.5 ah, Il n'y est plus maintenant. Mais à l'époque, il y était. Hein. Oh, Commandant Conquert, frère. Qu'est-ce que j'ai pu fumer Qu'est-ce que j'ai pu le fumer Counter-Strike 2000. Euh, CS. Euh, CS. mais bah, C'était quoi bah, C'était CS classique, hein. Counter-Strike. Hein. 8 novembre 2000... Il était sur quoi Il était... Si, il était sur Steam. Tu lis encore, il y a même le site. Il était sur Steam. C'était développeur Valve, Sierra. C'est le premier truc. Condition zéro, putain. Et ça, il y avait un jeu aussi, putain, que je kiffais. Quand j'étais Mino. C'était un... Alors, peut-être qu'il y en a qui ont joué. c'est un jeu vu du dessus. Et genre, tu avais une escouade, genre un ingénieur, un commandant... Un commandant, un médecin, je crois, et tu devais. Euh, je crois que tu avais 4 pélos, et tu devais faire des missions, tu vois, et passer inaperçu, tu vois. Et tu pouvais switch entre les. Entre les pertes. Tu pouvais split, ton escouade, et c'était vu de dessus, putain, et c'était super. À l'époque, je m'en souviens, qu'est-ce que j'ai pu fumer ce jeu. Comment s'appelait ce jeu déjà, putain Il est super connu, hein. C'est un truc, euh, à l'époque. Carte. Euh... Tu vois ce que je veux dire, ouf Un carta, putain, un carta. Un karta, je me souviens. Et je me souviens même du petit. Vous vous souvenez du petit trombone dans. un petit trombone dans, dans World Pour les plus anciens. Il y avait le trombone dans Word. Le mec qui te parlait, il te disait Ouais, je suis. C'était le début de l'IA, les débuts de l'intelligence artificielle. C'était lui, il te disait Ouais, euh, euh, si tu veux, euh, tape ça. Tape. Euh, tu sais, ce petit truc, qui bougeait partout. C je me souviens, ce petit, ce, ce petit trombone de merde. Euh, commando Commando le jeu c'était commando. C'est ça Commando. Bonsoir. Commando le jeu. Installé sur disquette. <laughs> t'étais content à l'époque. À l'époque t'avais un pong et t'étais fan frère. Commando jeu, le jeu. Commando le jeu. Ouais c'était ça, c'était commando. C'est ça, c'est commando. Je m'en souviens, qu'est-ce que j'ai pu le fumer ce jeu Qu'est-ce que j'ai pu rester des heures avec ça quand jeu Ça et Caesar. j'avais Kaizar 3. C'est ouh Nous enfants mal au dos, on a du mal à en... on a du mal à entendre à 8-9 ans, ça c'est l'évolution d'espèce qui a trop machine devant les écrans avec un casque sur la tête, c'est ça. Adibou ah Il ouais, y avait Adibou et après tu passais à Adi je crois. C'est pas ça Adi Adi c'est un peu plus grand, non T'as Adibou et Adi. Adibou. Adi, Adi c'est déjà plus haut level, tu vois. Adibou et Adi c'est l'adolescence Moi j'étais Adi déjà. Non, c'est moi, c'était Asbin frère. J'étais déjà passé. Euh... Moi j'ai le premier PC, j'avais 9 ans, je crois. 8-9 ans, mon premier PC. C'était Windows 3.1 à l'époque. Il y avait que, je me souviens, il y avait le texte, il y avait Write, enfin je sais plus comment on se dit, Rewrite en anglais. Euh... Non, mais tu, tu rigoles, tu parlais de Tamagotchi, mais est-ce que tu te souviens des tatous, frère Tu te souviens des tatous Tu te souviens de ce beeper que tu vois tous les jours maintenant dans Crazy Anatomy À l'époque, t'avais ça. T'avais ce truc -là, là qui était à ta, à ta ceinture là. Et t'allais à une station. T'allais à la. T'allais pas la station, t'allais à, à la première. Euh... Putain, je vais arriver à la première cabine téléphonique. Et tu rappelais. T'en souviens de ça De tatou Attends, c'était la classe à l'époque. Tu faisais pas Attends, tu marchais Tu marchais à l'époque Frère, tu marchais <laughs> C'est ça. Attends, mais c'était classe à l'époque À l'époque, t'avais ça, t'avais ça, t'étais... T'étais... T'étais étais Elon Musk à l'époque, t'avais ça Non mais... Les bobos Attends, les bobos... Les bobos, non, ça me dit rien les bobos. Parce que t'as eu plusieurs y a eu plusieurs marques de ces trucs là. Il y a les tatous. Les bobos Attends, bobos, comment, comment je peux chercher ça Moi je sais que j'ai eu plusieurs marques, mais je sais pas si c'était ou... Ah, c'est les bobos qui avaient ça, d'accord. Je me suis dit, c'est un truc qui s'appelait bobo. Ça me disait rien. Mais... Bon, par contre, Val, euh, t'es bien mignonne, mais c'est pas un entretien que tu lui fais là, c'est quoi C'est. Je me suis dit, il y a un truc qui s'appelle bobo. Non, mais parce qu'il y avait un truc qui s'appelle tatou. Ok et il y avait un autre truc qui était comme le tatou. Et c'était une autre marque, parce que tatou c'était itineris, il me semble. Itineris déjà, je dis ça. Itineris. Bonsoir. Oh. Bonsoir. Hein c'est vous qui avez sonné euh, Pas du tout, c'est le monsieur en blanc, là, en costard blanc. Reviens vers vous. Hein. Euh, reviens si tu veux. Tatou. Donc il y avait le tatou, ok. Il y avait un autre truc, le neck. Voilà. Ah non mais ce neck c'était ta... il y a le tam tam c'est ça c'est le tam tam les gars c'est le tam tam il y avait le tatou le tam tam moi j'avais vu un tam tam et un tatou et après il y avait le kobe aussi mais j'avais pas moi j'avais vu le neck voilà la marque neck le tatou et, et la marque neck et après toute façon euh, j'avais vu euh, pareil après je suis passé 3310 je l'ai encore hein, les gars j'ai encore le 3310 il y est dans, il est dans le décor hein, le 3310 35, la personne, euh, au poste se demande un... Oh là, Capitaine Plasma, comment tu vas Hello Ah, le Star Trek oh. hum. Celui-là a était, été était voulu, le Star Trek de Motorola. Il y avait Star Trek il y avait le. Quand Matrix est sorti, le petit Nokia avec le petit clapet Et il y avait le T10 aussi. J'ai eu le T10 Sony Ericsson. Sony T10 ou t... T50 Je sais plus, il y en avait deux, il y avait le super plat avec la, la grosse antenne. Euh, genre l'antenne, elle faisait... Euh... Monsieur oh oui euh, Moi je, coup, hein. je suis en attente euh, du lieutenant Val là, pour un entretien avec SPD. D'accord, d'accord. Donc là, elle est occupée, mais bon, euh, ouais, je le tangue. On va hein. presser, hein, vous savez, ouais, excusez. Euh, ouais, ouais, je vous crois, oui. Je vois celui je la fan de ça le, télé, le téléphone de Matrix, à Nokia. Et après, en fait, tu te rends compte que quand tu réfléchis vraiment à, à la technologie depuis que tu es né, ben, euh, s'il y a des jeunes dans le chat, oui, je suis vieux, oui, 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 je suis un boomer. Non, je suis pas un boomer, c'est pas vrai. Mais bien sûr, quand tu le dernier 8310. Attends, 8310, il y avait le 8210 qui était plus petit et 93 10 était fou. Le tout petit, c'était le 10, non moi, je l'avais petit rouge. Rouge, noir, gris. C'était. Euh... Non, mais tu vois. Euh... Quand tu te rends compte l'évolution des choses, quand tu. Mais bout à bout, parce qu'on ne voit pas les années passées, tu vois. On ne voit pas les années passées, mais quand tu te rends compte tout ce que tu as vécu en termes d'évolution, en termes de communication, tu as eu le tatou. Tu c'était les prémices. Les prémices du, du SMS, en fait. Le... Déjà, tu as eu le Minitel, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en termes, tu vois, de téléphone, tu avais, avais les tatous. Après, t'as eu euh, les, les téléphones à la con. Souvenez-vous, vous avez eu la Engage. Vous en venez, vous en souvenez de ça, du Engage moi ben, je l'ai vu. Le, je me démerdé pour l'avoir le, le Nokia Engage. C'était un mi PSP. Enfin, c'était pas une PSP, c'était mi c'était mi euh, une console de jeu, mi machin. T'avais plein de boutons sur les côtés. C'était t'avais le premier que c'était un des premiers téléphones. T'avais les claviers dessus. Vraiment, mais un clavier genre euh, vraiment un vrai clavier quoi. T'avais ça. Sur la sky roulette putain arrête avec euh, dix foules putain la sky roulette avec marie c'était qui ou Ma marie comment s'appelait marie dix et di fano non comment s'appelait l'autre il y avait marie ça je m'en souviendrai toujours où ça parlait de, 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 de cul t'as écouté le soir ça parlait de cul ouh, super ça parle de cul T'étais. il y avait marie romano romano Ah mais c'est un steak à touche le bordel. Laisse tomber Après t'avais des petits doigts toi t'étais minot donc ça va. Maintenant laisse tomber. t'as rien ça dans, entre les mains aujourd'hui. Le militaire non je l'ai pas je l'ai pas connu. le militaire Romano mais Romano il y était Romano il y avait, il y avait... Romano c'était sur Fun non. C'est sur Fun. Ah ouais, non mais c'était n'importe non non c'était ah, c'était sur Sky. Ah ben, Je me souviens de. Roman, Roman Sky, ouais. et Sky. Et t'avais euh, aussi. Br 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 Bruno Robles, mon gars. <laughs> vous vous souvenez de ça sur Énergie T'avais Bruno Robles, frère. <laughs> à l'époque, t'es kiffé, Bruno Robles. T'écoutais, t'étais mort de rire. Mais maintenant, tu, 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 ce mec-là, tu sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Si il passera jamais sur mon stream. Mais s'il si, est là, je suis désolé, frère. tu T'étais bien parti, hein, franchement. monsieur. Lorenz. Elio Lorenz. Ah, t'es bien parti. Bon, bref, on digresse, on digresse, les amis. Mais ça fait pas venir Valin. Hein. Mais je vous le dis. 20h45 hein. Heureusement hein. Heureusement que c'est la ponctualité J'ai parlé là ouais, Je croyais que ma bouche avait bouger, Je me suis dit putain il faudrait pas que je parle Ouais Quoi <laughs> ouais, tu y vas tu te lèves Bon euh, excusez-moi lieutenant euh, la, Le grade n'empêche pas la ponctualité hein euh, Déjà Pour commencer C'est dallas ah y'a des Maspucci Bastards là là ouais. allez salut ouais, <laughs> oh, D'abord on vous embauche et puis on vous a... ouïe l'avocatitude comme on les jeunes La C'est un délinquant pour un délinquant, monsieur. Des fois, un jour, on se fera un, un, un live rewind avec, tu sais, genre, interdit au... T'es né avant 2000 T'es né après 2000 C'est mort, tu peux pas venir. Ah Ah, les amis du RP. Attention à vous. Également, et bon courage. Merci. Euh, monsieur, 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 j'ai oublié votre nom. Monsieur Pipouling, Marius. Pipoulin, Pipoulin c'est ça hein Ouais, Pipoulin. Ok, venez avec moi, je suis désolé pour le retard. Hein. Bah, vous inquiétez pas, vous avez un travail, je comprends. Hein. Euh, en plus, il se passe tout. Merci pas pour la, la porte. Là. Ouais, ouais, je, je, je vois ça, j'ai vu la flash Wezel là. Ah, c'est horrible. Vous allez bien, pas trop stressé Euh, non, ça va, ça va, ça va. Pas, de, pas trop de stress, on verra, après, on verra plus tard. Hein. Bah, du coup, je vais me représenter, le lieutenant me Val, on s'est vu tout à l'heure. Euh, je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît, monsieur Pipoulin. Alors, Marius Pipoulin, j'ai 36 ans. Euh, je suis un ancien sapeur-pompier dans la ville de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Je viens de France. Ah, je, euh, je disais que l'accent disait quelque chose. Ouais, je viens de France, euh, Bouches-du-Rhône. Euh, euh, ouais donc après bon je, je comme je vous ai dit j'ai fait euh, j'ai fait euh, je suis sapeur-pompier j'étais sapeur-pompier volontaire j'ai commencé à l'âge de 22 ans euh, en tant qu'auxiliaire hein. et euh, j'ai arrêté à l'âge de, euh, de 31 l'âge de ans que j'ai loupé la, le concours de la fonction publique malheureusement euh, j'étais j'étais au grade de, de, de caporal chef quoi donc euh, 9, ans, euh, 9 ans de bons et au service au sein de, des sapeurs-pompiers de Marseille après, par... voilà, après, à partir de ça, bon, je, je me, suis, euh, me suis retourné un peu bon, dans, des, dans, dans mes retranchements, disons que ça m'a fait beaucoup de mal. De... Je, me suis, je me suis remis en cause euh, énormément. Là, quand j'ai loupé ce, ce concours, là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'était peut-être ma, mani ma manière de, de manager qui, qui n'avait pas manager les hommes. Hein. J'avais une petite équipe quand même à l'époque. Hein. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait que voilà, j'ai. Vous savez quand on se lie d'amitié avec, euh, avec des collègues et qu'on devient leur chef, euh, euh, des fois, bah, après ça peut. Euh, ouais. ça, peut voilà, ça peut créer des petites, des petites tensions. Et puis je pense que c'est ça qui a fait que... Euh, ça m'a bah, ça un, euh, un peu perturbé. Et voilà, j'ai loupé le, le coco à la fonction publique, quoi. Alors après ça bon après c'est je suis parti dans mes hobbies parce que en fait euh, en fait dans mes hobbies euh à côté de ça bon euh, j'ai j'ai le passion bon c'est j'ose pas trop la dire parce que après les gens se foutent de ma gueule mais bon je vous le dis à vous ouais, bon, je, je bon veux, je veux, je veux. Euh, disons que, bon, je suis né, moi, à Marseille, hein, j'ai grandi euh, dans la cité phocéenne, donc entouré de, de métissages, euh, ouais, de métissages euh, voilà, il y avait de tout, euh, des, des asiatiques, les, des maghrébins, des africains, enfin, de, il y avait de tout, quoi, un métissage, un joli métissage. Et donc, j'ai toujours été en extase devant les couscous, quoi, j'adore ça, les couscous. Et, euh, et du coup, bon, je me suis dit, ben, pourquoi pas, euh, pourquoi pas de commencer à faire, euh, à faire un peu de. de de, de, de goûteurs de couscous, euh, des, coucous, des concours couscous, quoi. Ouais, c'est particulier. Ah oui Ça, <laughs> c'est particulier, oui, ça, je ne vous le cache pas. C'est pour ça, c'est un hobby, c'est quelque chose... Bon, après, j'ai eu quelques distinctions, mais bon, ce n'est pas ça qui va faire que sur votre CV, ça va être... Euh... Ça, ça, on ne va pas dire, euh, voilà, bravo, monsieur, vous avez été ce moule d'argent au concours d'Aix-en-Provence, bon, voilà. <rire> <rire> ça, oui, c'est... Ça, voilà, euh, bah, vous, vous le savez j'étais semoule ce moulot d'argent euh, et chiche d'or aussi, j'étais un tib, ça c'était un tib en 2017. Ouais, d'or un tib, c'était salon d'Antibes. concours euh, très très gros concours. Et ensuite bon mais par la mairie bien sûr, la ville de Marseille, ma décerné en 2021, juste avant que je parte euh, par, par Bernard Moquette et mon fils un pastis doré, hein, euh, à la ville de Marseille. Et euh, histoire de finir, quand j'étais dans, dans le jury national du meilleur couscous de France bien sûr, hein, euh, j'ai eu droit à une merguez d'honneur hein, pour boire le service, euh, voilà, donc euh, c'était plutôt pas mal quoi. Un c'est un ah, ben, <laughs> euh, voilà, une passion, ouais, c'est chaud, ça réchauffe le cœur, euh, en plus on, le couscous on peut y mettre ce qu'on veut, hein, on met de la merguez, du poulet, de la moule, on met, on fait, on met, on met ce qu'on veut quoi. Voilà, et donc euh, à partir de là, bon, euh, ça c'est un peu plus personnel, c'est euh, bah, la séparation que j'ai eue avec euh, avec ma femme. Bon, ma, ma passion prenait un peu de, un peu, ah ma, passion prenait un peu plus, euh, prenait, prenait un, peu, un peu trop de place et elle a osé me dire, elle a osé me dire, le couscous c'est c'est un taboulé chaud. Alors là. Euh... Là, j'ai pas pu. Ouais, le couscous, c'est un taboulé chaud, elle m'a dit. Ça faisait, ça faisait 12 ans qu'on était ça. 12 ans. Et là, elle me sort au bout de 12 ans, le couscous, c'est un taboulé chaud. Non, mais... Alors, j'ai pris, cliqué mes claques, et j'ai dit, je, je change de vie. Oui, et... Oui, euh, oui, et bim, Avio euh, Los Santos. Voilà. Euh, j'ai dit, c'est euh, radical. Et donc... Euh, donc, voilà. Vous avez ouais, un, peu, cool. un peu l'histoire de ma vie, quoi. Euh, c'est... Euh... Ça tourne autour donc du couscous et des sapeurs papier Une vie pleine de... Pleine de pas quoi, c'est. excusez-moi. Je... je me moque pas vous, hein. Ah ouais mais je copie pas, je comprends, vous savez, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas commun, disons hein. c'est des petits des petits concours comme ça qui se font en, en dire à soumettre. c'est pas c'est pas illégal mais c'est pas loin vous voyez on se cache pour pas être Il pas faudrait pas que ça devienne connu et que voilà il qu y ait la notoriété tout ça tout ça quoi on veut quand même que ça reste un petit comité quoi et donc euh, voilà quand j'étais caporal chef donc euh, j'ai 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 l'idée donc euh, j'avais cinq personnes avec moi et donc j'avais euh, la personne que je vous disais qui avait peut-être un, peu, un petit peu problématique où j'avais laquelle je m'étais attaché il s'appelait Gilbert et il était pompier pyromane alors c'est peu bizarre il aimait foutre le feu et éteindre en direct donc ça c'était complètement débile mais il aimait bien c'était pompier pyromane bon, et, voilà. et c'est bon je l'ai gardé sauf que jour mais il n'y avait plus d'eau ce quoi il avait tout bu à et ça a foutu le feu à la caserne alors, Ah c'est euh... c'est fou, c'est voilà, c'est après c'est c'est voilà, c'est c'est des petits épisodes mais qui 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 forgent des vies, vous savez, voilà. Ah oui, oui ça marque en plus. Ah ça marque mais ça marque euh... Euh, au, au fer hein. c'est comme si voilà, c'est <laughs> <laughs> Ah, ben je suis. Après, voilà, c'est l'histoire de... de la vie, comme dit Elton John. Hein. C'est pas Elton John qui le chante, mais voilà, c'est. Voilà. Ah, j'espère hein, que vous aurez un peu plus de chance si vous êtes recruté au quand même. Ah, ben j'espère vraiment, j'espère vraiment que j'aurai un peu plus de chance. Mais c'est pour ça, voilà, je... je voulais rester dans le, dans le côté où ça, vous voyez. Euh, ordre, justice, tout ça, tout ça, quoi. Euh, pas commencer à partir en sucette. Je me suis dit, bon, euh, je souffre ce que je veux, voilà. C'est rester euh, de, pour aider les gens, sauver les gens, euh, voilà. Et... Mais je voulais pas faire médecine, hein, c'est bon, j'ai vu assez de, de trucs euh, chelous hein, en tant que paupières, oui, je vous le dis. Génial. Ah ouais, euh, non, mais des gens qui se foutent des merguez dans le cul et tout comme ça, c'est bon, ouais, j'en ai, ai assez le, vu. Le, le, les les, les couscous okay. Ah ouais, 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 ouais des, des trucs, euh, trucs euh, malsés, hein, pas ouais. Bref, euh, et pourquoi plus le lesbien que le lesbien euh, Très bonne question, dont je n'aurai aucune réponse. Euh, <laughs> non, non, parce que je suis arrivé dans le sud, je me suis tout de suite senti bien, il y a du soleil, y a, euh, voilà, il y, y, y a la plage, euh, je sais pas, je me sens bien, je me sens bien ville. Euh, le nord, euh, pas dire que ça presse, mais euh, trop, trop, trop d'espace, des fois, pas, pas bon, vous voyez euh, J'aime bien me sentir euh, à ma place dans, dans dans ma petite case plutôt qu'un peu libre comme ça, une, comme un électrole là. D'accord. Et maintenant vous êtes en ville une semaine, c'est ça Ah même, même, même pas, là vous là vous me prenez au fil du rasoir, hein. fait ça se dit pas, mais je le dis quand même. Hein. Euh, ça fait trois jours, quatre jours même. Hein. Ouais, 4 jours, je fais un job actuellement, c'est là où on s'est connus, chez là depuis depuis hier. Euh, est-ce qu'il y a des soucis quand vous êtes arrivé en ville Des soucis Ouais. Alors disons que je me suis fait euh, raqueter il y a à peu près une heure, je suis venu ah. déposer plainte du coup d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, je me suis fait agresser, enfin agresser, euh, intimider, et du coup on m'a pris, euh, pris de l'argent et... Euh, puis du coup je suis venu déposer plainte mais après non pas de j'ai fait la connaissance de certains, euh, certaines personnes on va dire euh, des mecs habillés avec des petits bérets là ce matin Ouais. voilà qui m'ont expliqué un petit peu enfin euh, qui m'ont expliqué qui m'ont dit que hier soir je sais pas quoi nanana des balles dans le dos ouais. j'ai fait du social mais m'en balais rien un peu hein. Oui, il, il fallait que je l'amène, euh, que je l'amène en fait euh, au il, des canaux là, de Burger Shot jusque là où jusqu'au BCMS. donc on a discuté. Il m'a dit qu'il avait pris des balles dans le dos hier soir, je sais pas quoi. D'accord. Voilà, bon, je me doute qu'il fait pas, il fait pas du trafic de, de merguez ou de couscous celui-là, Ah oui, non, pas se prendre des balles dans le dos, je pense pas du tout. Ouais, je passe pas non plus, ouais. Donc mais non pas. Euh, quelqu'un qui est venu vous approcher pour vous demander. Euh... Faire des petites choses pour lui, pas du, chose pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Ok, okay. Euh... Qu Que vous pensez pouvoir apporter où est euh, de la rigueur, je pense. <laughs> 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 ça Ah bah il faudra voir avec Arc saison le, le matin nécessaire pour faire un petit de, petit peu de, peu de, peu de gazmère peut-être avec le blé d'or ce bout mais ouais, euh, ça peut ça peut ça, ça peut se faire. Euh, donc euh, un peu de de la rigueur hein, voilà la rigueur dans le travail je pense un peu de, de bonne ambiance quand même de bonne entente hein. il faut pas non, il faut savoir déconner mais il faut pas non plus euh, que ça soit trop vous voyez ce que je veux dire quand même on est, là, on est là pour faire régner l'ordre de la justice hein, on n'est pas là pour euh, pour enfiler des perles et, euh, voilà euh, qu'est-ce que je peux amener d'autre euh, la, la sympathie euh, le, le soleil peut-être peut le soleil je ne sais pas mais non, non, dans dans l'ensemble euh, voilà un peu un peu de rigueur et voilà ouais, après c'est la, la, la siduité, mais ça on n'en de pas on est assidu Des fois, vous me perdez dans ce que vous dites. Ouais, ouais, mais moi, bon, même moi. Pour <laughs> <On> moi <va> dire. <laughs> ouais, j'essaie je, de, de, de donner le maximum de positif, vous voyez. Ouais, je vois, ouais, ça, c'est très bien. Après, s'il faut, c'est pas du tout. C'est pas français, mais je le sors quand même. Qu'est-ce qui est pas français Mais ce que je dis, parce que vous le comprenez pas. Oui, je, je passe euh, du coq à l'âne et ça, c'est pas cool pour. Euh... Euh, Est-ce que. Oh, attendez, j'en étais où Je me suis perdu moi aussi. Commissaire au secours. Comment ça... c'est se bah, au pas non, ça, camel lieutenant. <laughs> <laughs> directement, euh. Vous aimez le couscous, commissaire Oui. Est-ce que vous aimez le vrai couscous c'est ça le truc, c'est... Ah oui, euh, là vous avez en face de vous, euh, je faisais partie du jury national du meilleur couscous de France en 2017. Hein, donc, euh, là attention, si vous vous en faites euh, n'hésitez pas à, à venir me faire goûter, je pourrais vous dire euh, le petit manque d'épices hein, ou ce genre de choses, hein, aucun, aucun souci. Hein. Et ça bien sûr, à, 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 enfin, euh, je ne fais pas payer pour ça, hein, vous vous faites pas, c'est que de la passion. Hein. C'est putain. Allez, bon bon Merci, merci. Euh, qu Qu'est-ce qu qui peut m'apporter à moi une, bah, une droiture, euh, justement, euh, d'être bien entouré, une espèce de symbiose euh, entre les personnes, hein, une famille, euh, et puis voilà que je ne me retrouve pas tout seul à partir. Euh, dans les, dans les bafoles là-bas, se faire alpaguer par je ne sais qui. Là, au moins je, je suis droit, je suis dans une entité, je suis, euh, voilà, je, je suis dévoué à la, à la cause. Quoi. Vous aurez tendance à partir facilement vers... Euh... Non mais vous savez, quand, euh... Euh, quand vous ne euh, faites rien pendant des années, après vous demandez, euh, bon vous pouvez avoir l'esprit qui, qui peut vous jouer des tours. Je ne dis pas que je serais tenté de le faire, mais en tout cas l'esprit vous joue des tours. Hein. Des problèmes avec la hiérarchie, c'est-à-dire euh, euh, un problème à recevoir des ordres, etc. Pas du ah. tout. Au vu de mon passé, ce serait quoi Vachement, je ne vais pas vous mentir. Oui, c'est pas fou, oui. <laughs> euh, Qu'est-ce que vous avez comme tempérament Vous êtes plutôt quelqu'un qui va réussir à rester calme et. Euh... et. Euh... comment dire euh, rester calme et pas partir au quart de tour ou parce qu'on on sait tous hein on se insulte tous les jours je vous le bien hein. euh, ouais, Ça j'en doute ce, pas euh... On a tous euh... Putain je perds mes mots bordel Ça c'est parce que vous avez le couscous à la tête je vous dis c'est ouais, exactement ça ouais On a tous une limite à pas dépasser <laughs> Donc il euh, y a un moment où enfin s'il y a une personne qui passe son temps à vous insulter vous allez réussir à garder votre calme et à faire euh, ce qu'il faut pour le calmer donc euh... Ah mais bah il faut il faut le faire c'est pas c est, c est, on se doit de le faire c'est euh, ça y est ils ont pris la santé psychologique sur vous et ils savent que, ils savent où aller, euh, où aller Titi, hein. aller après c'est voilà c'est vous les calmerez comment vous ah bah, par les mots simplement en parlant parce que ces gens là il faut il faut leur parler il faut savoir euh, utiliser les bons mots euh, et surtout calmer le jeu voilà euh, faire euh, Faire, faire montrer dans la situation dans laquelle ils sommes généralement quand euh, voilà quand euh, on peut il y a toujours moyen d'apaiser les choses hein, avec euh, avec les mots après si la personne si la personne commence à être un peu trop virulente, euh, peu trop virulente, bon, ben là euh, il faut aussi user de, de la force de temps en temps malheureusement mais bon c'est le moins possible serait le mieux le, et le mieux quoi vous par faire usage de la force ben, par exemple, neutraliser euh, un individu, hein, un individu qui commence à être violent avec, avec euh, un agent directement, hein, euh, on sort le petit le petit truc à pile là et euh, voilà, on, on, le, on le calme. Euh, voilà, euh, ce, genre, ce genre de choses, hein, pas commencer à sortir les pétards et, et à tirer à, 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 à toute berzing hein. ouais, oui. Après, ça dépendra toujours des situations. Exactement, euh, après, euh, violence, ça dit. Euh, si c'est verbal ou exactement si c'est verbal on essaie de, de, de traiter ça par par le verbe justement mais après dès qu'un stade où ça commence à s'animer au niveau de la violence physique là ça devient un peu plus délicat donc bon après oui quand euh, c'est du verbal on va pas nous euh, aussi insulter euh, ah ben bah, on est en d'accord hein. et... Ah non, non mais c'est pas, euh, voilà. pas le enfin, euh, excusez-moi de dire ça mais c'est pas le Far West pour moi on est quand même euh, on se doit d'être exemplaire envers les citoyennes envers tous les citoyens hein. Si, si, on veut on se, si on veut se faire respecter, il faudrait faut commencer par respecter les autres. Donc bon. On est d'accord. Ok. Euh... Est que vous avez déjà fait usage d'une arme à feu Pas du tout. Ok. Ça vous fait peur ou pas euh, Un peu d'appréhension, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de me prendre. On voit, on voit des trucs sur internet là où, où les mecs ils prennent des reculs là de... De 12 000 joules dans les chicots, j'ai pas mis. Bon, j'ai pas. Euh, j'ai un, un peu d'appréhension, mais c'est sur... Euh, après, euh, faire usage de l'arme, bon, euh, aussi un petit peu d'appréhension, parce que comme vous, on parlait juste avant, euh, dans une situation un peu tendue, il faut aussi euh, avoir son jugé et bien, euh, bien calculer ce qu'on fait, donc il faudrait pas que. Euh, voilà, c'est un peu. Euh, c'est un peu délicat, mais bon, après. Je, ça, ça, comme vous dites, ça s'apprend et euh, ça s'acquiert au fil, au, au fil du temps. Quoi. Exactement. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Si par exemple, euh, je reviens un peu sur le truc de la hiérarchie. Là. Euh, si par exemple, il y a une fusillade qui éclate entre nous et des, des criminels. Euh, qu'il y a une personne au milieu de tout ça qui n'est qui pas armée et qu'un supérieur à vous vous demande de neutraliser l'individu, vous faites quoi ah mais euh, Le supérieur, euh, je le fais. Je, je... Même si j'ai bon jugé, c'est c'est pas armé égal, mais pff, la hiérarchie, Enfin, on est dans un système hiérarchisé, donc euh, si, si c'est un ordre, mon responsable à juger, lui, qu'il euh, fallait le faire, je me dois de, res de, de respecter l'ordre de mon responsable. Même si la personne devant vous, elle est pas C'est là où c'est un peu touchy, c'est la situation, qu'est-ce qui s'est passé avant. Euh... Et, et, moi, je vous dis, si, si mon, mon capitaine ou peu importe me donne l'ordre, c'est délicat, c'est vraiment délicat. -ce que vous pas de communiquer avec lui avec l'individu, vous parlez ou avec mon. mon... Avec euh, le supérieur qui vous demande de faire Ah, ça. si, bien sûr, mais ça, c est, c est, pour moi, c'était euh, déjà, euh, déjà acté. Euh, voilà, c'était vraiment le, le, la dernière fois où il me donne l'ordre. C'est que déjà, il y a eu discussion pour essayer de calmer les choses, mais. Euh... Parce que si ça part en fusillade, etc., ça, ça va très vite et on doit très vite prendre des décisions et qu'elles soient les meilleures possibles. Ben, si par exemple, le, le lead. Euh... Ben, admettons, il n'est pas sur place et il vous dit euh, Vous neutralisez l'individu. Il, il, il y a ce point de vue-là. Il y a aussi le fait qu'il soit sur place, mais qu'il ne le voit pas, que l'individu n'est pas armé. Ah, ben ça, après, on communique, bien sûr. On communique euh, La personne n'est pas armée. Euh, euh, Est-ce que vous, vous confirmez l'ordre quoi C'est ça, exactement. La communication, c'est vraiment toujours le, le point important, que ce soit l'espédie ou n'importe où. En, en tous les cas, ben ben dans un couple, hein. voilà. ta Néo. Je <laughs> suis désolé de revenir non, dessus, non, mais bon, passons, ouais, passons, passons, on n'est passe, on passe. On pas là pour ça. Pas hésiter à en parler hein, si vous avez encore des traumatismes là-dessus. Le, le LSNS, ils ont des très bons psychologues. Non, mais bon, c'est. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses de la vie, on, voit, on, passe, à, on passe après quoi. Vous êtes plutôt quelqu'un qui suit ou qui aime bien l'idée Ça dépend de la situation, mais je ne vais pas vous dire oui, je vais arriver, je vais être cadet, je veux l'idée. Je vais suivre, et quand je sens que je pourrais peut-être prendre l'idée, je le ferai savoir. Mais bon, après, ça ne me fait pas peur de l'idée. Comme je vous l'ai dit, brigade de 5 personnes Gilbert, Pépi, Pompi, Pompi, Pyroman. Voilà, c'est quelque chose qui. C'est pas inné, mais bon, ça s'apprend, ça c'est toujours pareil. Toujours pareil, ouais. Oh, ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous demander d'autre Est-ce que vous connaissez un petit peu les grades qu'il y a au LSPD ou pas du tout euh, Alors, je me doute qu'il y a les cadets, les officiers et officiers supérieurs. Ça, c'est déjà la base. Un peu comme euh, nous, auxiliaires, première classe, sapeur première classe et capot-chef. Après, euh, il doit y avoir sergent, lieutenant, sergent, chef, euh, capitaine-commandant, je dirais. Euh, Capitaine-commissaire, euh, peut-être. Ouais, du coup, on commence par euh, la période de cadet. On est recruté au LSPD, vous commencez par cadet. Ouais. Euh, donc, c'est la période où vous allez apprendre euh, toutes les choses qu'il y a à savoir au LSPD. Parce que vous partirez toujours avec quelqu'un. Euh. Quand vous êtes cadet aussi, vous avez un référent qui, sur l'intra, va faire un suivi de fiches cadets. Pourquoi j'entends plus rien en radio d'un coup, ça me... Attendez. Ok, c'est bon. Euh, du coup, qui fera un suivi euh, cadet qui marquera un petit peu les formations que vous avez faites et que vous devez encore faire. Mm -hmm. <coughs> qui sera vu par euh, les autres agents qui, bah, qui sauront quoi faire avec vous en patrouille, même si vous, vous avez des, des petites difficultés que ce soit sur l'orientation, la conduite ou Enfin, plein de trucs comme ça, n'hésitez pas à en parler avec les agents qui sont avec vous. Ok, ok, pas de soucis. Sur oui, pour qu'on s'entraîne et qu'on s'améliore. Ouais. Hein? Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, si, La seule façon, si vous partez en Lincoln, donc seul, c'est vraiment parce que vous êtes seul en service. Mais ça, après, vos disponibilités, c'est où l'après-midi Ça à partir à quelle heure l'après euh, laprès ça peut être. Ben, ça dépend des jours, mais généralement, c'est 15h euh, vers 16h. À partir de 15h jusqu'à peut... jusqu 15-19, ça peut faire du 15-23, h c'est un trois. Ok. Ouais, c'est rare que vers 15h vous serez seul, je pense. Mais bon, si ça arrive, au moins vous savez que vous pouvez partir seul. Quand. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais okay. euh, du coup, la période de cadet, c'est maximum un mois. Ok. Vous avez un mois pour. Enfin, pour, si c'est moins, tant mieux, c'est ce qu'on recherche. Euh, si on, si on, au bout de moins d'un mois, euh, on pense que vous êtes apte à passer euh, en grade supérieur, euh, vous passez quoi. Ok d'accord. Donc bon là après on a une longue liste d'attente euh, dans les recrutements donc il euh, faut que ça avance quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc du coup après quand vous êtes apte euh, à partir seul, qu'on pense que vous serez capable de gérer euh, vos cols quand il y a une course poursuite, euh, que vous êtes capable d'arrêter quelqu'un et de le mettre en cellule sans vous tromper dans la procédure, euh, pareil pour les avocats, etc. Euh, vous passerez officier du coup. Ok. Donc, officier, partez seul, vous faites euh, tu, bah, faut, tu, votre petite vie tranquille, je vais y arriver. Euh, tout en, en étant euh, bien sûr aux ordres du lit de terrain. ce sera un sergent. Euh, en officier, vous avez encore des, des choses à apprendre, c'est un peu plus en vrai officier. Euh... Ensuite, quand on pense que vous êtes à l'aise avec toutes les formations, et que vous êtes à l'aise sur le terrain et que vous pouvez transmettre ce que vous connaissez au KD, vous passerez officier supérieur. Ok, ça veut dire que, okay, veut dire que moi, mon référence serait un, euh, un officier supérieur, ça C'est ça. Ok, d'accord. Après, pendant votre période de cadet, vous pouvez très bien patrouiller avec un officier. Euh, en fait on essaye de faire en sorte que les cadets patrouillent avec les officiers supérieurs qui, qui eux sont bien euh, aptes à former les, les cadets mm -hmm. mais si vraiment on n'a pas le choix vous serez qu'un officier okay, après, que vous soyez avec plus, hein, avec un sergent ou même pas oui oui, un... je, je me doute qu'après c'est suivant de disponibilité voilà. donc euh, du coup officier supérieur c'est vraiment à l'aise avec toutes les formations vous êtes aptes à retransmettre tout ce que vous savez aux officiers et aux cadets euh, vous aussi, bah, du coup, si vous passez au supérieur, vous aurez euh, décadé à gérer euh, euh, en suivi. Euh, je vais aussi gérer un petit peu le stockage qu'il y a au commissariat. Donc, vous êtes en charge aussi d'appeler la PLS quand il euh, n'y a plus de kérosène ou quand il n'y a plus d'essence, tout ça. Ouais, d'accord, ok. Euh, ensuite, il euh, y a les sergents. Donc, du coup, euh, sergent, c'est euh, lit de terrain. Mais pas que. Euh, ils font aussi un, un, un petit peu du suivi d'agents. Ils vont essayer de poser un petit peu des questions, euh, savoir si les agents se sentent bien, euh, s'ils n'ont pas de problème, s'ils ont des idées pour améliorer certaines choses, etc. Mmh. Les sergents vont aussi un petit peu relayer euh, au gradé, parce que les gens, ils n'osent pas forcément venir nous parler quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, les sergents, c'est un peu leur rôle aussi de, de venir nous voir quand il y a un truc qui ne va pas. Euh, ils vont gérer tout ce qui est petites euh, opérations du style euh, braquage flicain euh, ils vont gérer des petites opérations sur le terrain avec les inspecteurs et sinon après euh, ils font aussi des formations Il y a des petites formations avancées que les officiers supérieurs ne peuvent pas faire euh, du style euh, formation Sira donc c'est un véhicule euh, rapide pour, euh, pour des courses poursuites sur des euh, supercars ou sur, euh, pour des patrouilles sur euh, l'autre route d'accord donc, ça, il y a que les sergents qui sont aptes à les former. Euh... Ensuite, on a aussi la formation Henri, donc c'est l'hélicoptère pour pouvoir piloter l'hélico. Il n'y a que les sergents qui font passer cette formation-là. Et sinon, j'avais oublié aussi, il y a les maris, donc c'est les motos et c'est les officiers supérieurs qui peuvent faire passer cette formation-là. Ok, d'accord. Euh, sinon, après, on a sergent-chef. Donc, euh, sergent-chef, ils sont les... les chefs des sergents. On s'assurait que. Bah, tout se passe bien en dessous, que les sergents veillent bien à ce que les officiers supérieurs se passent bien, tourner les formations, etc. Que ce soit pour les officiers ou pour les cadets. c'est vraiment une boucle en fait. Euh, ça en chef aussi, c'est ceux qui vont lire les grosses opérations, du style euh, braquage casino, euh, braquage pacifique, euh, prise d'otage, et euh, tout ce qui est euh, élections municipaux ou gouvernementales. Ah d'accord, tout ce qui est, oui d'accord, euh, mise en place de, 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 de sécurité et tout ça quoi. C'est ça. Ok, quoi. Après, on peut se retrouver aussi parfois à devoir aller euh, dans les zones chaudes. Euh, donc du coup, euh, c'est le sergent-chef aussi qui va gérer ça. Euh, qui va euh, faire des plans, etc. Parce qu'on forcément, on va pas foncer tête baissée. Donc le euh, sergent-chef, il fera des plans, il gérera ses unités et euh, les sergents-chefs gèrent le SWAT aussi. D'accord, ok. L'unité d'intervention, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. L'élite. Euh, ensuite, sergent chef, sergent chef, sergent chef. Moi, bon, j'ai fait à peu près le tour. Euh, ensuite, dans la même ligne, on a les inspecteurs. Les inspecteurs, c'est eux qui vont gérer toutes les plaintes, les enquêtes, euh, qui vont donner des enquêtes à gérer aux officiers ou aux officiers supérieurs. Et sergent si je crois, mais c'est rare. C'est eux qui ont vraiment la main mise sur les, les enquêtes et qui sont les yeux plus plus du LSP, on va dire. Ok, d'accord. Oui, eux c'est vraiment ok, je vois. Inspecteur, quoi. Voilà. Euh, ensuite, on a les lieutenants, donc actuellement au LSP, on est trois lieutenants. Il y a le, le lieutenant Baker, hein, qui gère euh, un peu près tout, qui gère euh, côté terrain, qui gère côté enquête et qui gère aussi un petit peu côté politique... Euh... Baké les commissaires au capitaine, ils sont pas là. Euh, on a le lieutenant Balosto qui est plus le côté terrain. Il euh, y a moi qui est plus côté terrain, du coup. D'accord, ok. Donc nous, on s'assure que tout va bien. Euh, le lieutenant Balosto s'assure que tout va bien au côté des enquêtes, que les inspecteurs, euh, s'ils ont besoin de quelque chose, etc. Il est là. Euh, il va veiller à ce qu'il travaille bien, à ce que ça avance, etc. Nous, on va voir que sur le terrain, c'est pareil, il n'y a pas trop de problèmes. Euh, gérer les difficultés s'il y en a avec des agents, etc. Euh, gérer les stockages aussi, est-ce qu'il y a les gilets pare-balles ou les officiers supérieurs ne peuvent pas gérer eux-mêmes euh, On gère les recrutements. Et, 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 et on s'occupe aussi de certaines peines euh, qu'il faudrait mettre à, à des individus. D'accord, c'est vous qui trachez euh, si jamais il euh, y, y a quelque chose euh... avec des individus, c'est ça que vous disiez, hein, si c'est vraiment. Euh... Vous rentrez alors, en négociation entre guillemets quand il euh, y a des, des, des peines à mettre à ça Il y a certains. Alors en fait, pour expliquer, euh, pour euh, certaines euh, catégories de, de délits, il y a des agents qui peuvent juger eux-mêmes. Et quand ouais. ça rentre dans une catégorie un petit peu plus haute, c'est euh, les lieutenants ou capitaine commissaire qui jugent euh, du okay. des mentions, de l'amende, etc. Euh, après. Euh, pour négocier de tout ça, ça dépendra toujours de si l'individu il est coopératif, euh, s'il si a un avocat, etc. On voit. Oui, on oui, est d'accord, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a le capitaine. Donc lui, bah, il va gérer euh, le, commissariat, voire, enfin, le commissariat. Il enfin, le Il Va gérer voir que tout se passe bien. On peut, les lieutenants, on est un peu son second, donc euh, on travaille ensemble, voir si tout se passe bien, mettre des taquets s'il faut mettre des taquets et tous ces trucs-là, quoi. Pareil, il va gérer le côté politique un peu aussi avec le commissaire. Ok, quoi. Et puis bah, au final, on a le commissaire du coup, qui est le chef du commissariat. Et qui au-dessus de lui à la mairie, du coup. Ok. Vous eh euh, bah, pas... avez un peu des questions euh, Non, pas particulièrement. Euh, je pense. Euh... Non, non, c'est bon, je j'essaie de réfléchir, mais euh, vous avez quand même bien détaillé euh, tous les grades et toutes les activités associées à ces grades, donc. Euh... Non, non, mais pas je de... Vous certaines choses, hein, mais de toute façon, on vous apprendra aussi quand euh, vous serez là. Hein. Bon, ouais, pas de... Pas de non, non, pas de, pas de... Pas de questions particulières, non. Ok, nickel. Parce que les salaires... Parce que je ne vous ai pas dit les salaires, du coup, de bon, toute façon, vous savez qu'on n'est pas allé l'expédit pour ça. Ah, ben c'est pour ça que je postule ici. C'est pas pour, moi ça, pour un salaire, hein. vous inquiétez faites pas. Sinon, je resterai chez les taxis. Hein. Je ne pas vous les dire... Euh... Tant que cadet du coup c'est 80 dollars du quart d'heure officier c'est 100 euh, officier sub 110 sergent 120 sergent chef 130 inspecteur 130 lieutenant 140 capitaine 150 et commissaire 160 ok je pense qu'on a fait à peu près le tour vous vraiment pas de questions euh... Euh, non, non. Que sur ça, euh... général, mais... Non, 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 après, euh, non, non, sur le, fo... le, fo... Enfin, le fonctionnement, euh... Euh, vous me l'avez bien expliqué, comment ça marche, avec, euh, le système de hiérarchie, tout ça, les, les, les... le côté communi... communication hein, pour... entre les sergents, et, euh, et ser... enfin, entre les sergents-chefs et, euh, et les officiers supérieurs, donc du coup, pour faire le lien, là. non, non, euh, pas de questions particulières, Du coup, si jamais, parce que du coup, bah, je vais en parler avec les, les autres gradés aussi. Euh, si jamais on fait suite à votre entretien, vous serez contacté pour faire un test physique. Ok. Euh, si si c'est le soir, ça vous va ou pas Ben bah, après, oui, ça... c'est tout pareil, ça dépend quand, mais bon, euh, oui, après on peut s'arranger, quoi. Comme comme ce okay. soir, oui. Du coup, test physique, ce sera euh, un petit peu de muscu, course, nage, euh, conduite. Ouais. Et ce sera euh, sur la plage. du coup. Ok, d'accord. Donc on donnera une date, une heure, il faudra venir ici euh, en tenue de sport et puis, hein, puis bon, on gérera tout ça. Ok, parfait. Euh, le seul truc que je vais vous demander, c'est de passer au L.S.M.S. pour faire un... une visite médicale à l'ESPZ. Ok, d'accord, parce que j'avais ben, postulé MST euh, il y a deux jours, j'ai déjà fait passer un test psycho. Est-ce que je prends le dessus, ça, ça enfin, je le refais ou comment ça se passe Est-ce que c'est dans la même, la même procédure ou pas du tout C'est tu sais pourquoi le test euh, psychologique euh, C'était pour le PPA à la base. Ouais, non, ça, ça, là, la visite médicale en fait, c'est. Euh... Vous l'avez jamais fait encore La visite médicale Ouais. Euh, si, je l'ai fait pour, le, pour les taxis. Ouais, ok, non, mais là, il faut repasser une du coup, euh, spéciale et les speedy, il faut leur dire. Ok, d'accord. Je vais aller de ce point dès que je sors. Du coup, il y a un nouveau décret qui dit que si vous euh, n'avez si pas la visite médicale spéciale en question, vous... on ne peut pas vous recruter. D'accord, ok, ouais, je comprends. Procédure. Voilà. Ok, eh j'irai de ce pas. Ok, ça marche. Bah, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi. Ok, mais parfait. Je vous mais en tout que, cas. Ça peut prendre un peu de temps parce que je vous avoue que là, la liste elle est, elle est longue. Oui, oh, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, comme j'expliquais je tout à l'heure déjà à notre euh... Un autre candidat, c'est que ça dépend aussi de notre côté, comment les cadets actuels avancent. Parce qu'on peut pas s'arrêter d'avoir 10 cadets d'un coup, oui, hein. oui, oui, je comprends. Après, sinon, il faut quand même qu'il y, un... qu y ait un turnover là-dessus, je comprends. Voilà, donc euh, le temps que ça monte petit à petit, ça peut prendre un peu de temps. Au moins, vous êtes, vous êtes au courant. Ok. Eh bien, en tout cas, merci voilà. du temps que vous avez consacré pour ma candidature. C'était fort sympathique. Ah, euh, oui, si bien. vous avez besoin d'un petit conseil pour le couscous, n'hésitez hein, euh, okay. pas. Ça j'ai et... votre numéro. Ouais, et <laughs> puis euh, merci encore. Hein. Pas de soucis. Faites attention à vous, passez une bonne soirée. Merci. À plus tard, hein. Merci d'y attendre, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bonjour. Bah, voilà. Ça s'est bien passé, il faut attendre. Hein. Ah non, on va attendre. Hein. On va faire du taxi, les amis. Taxi, les amis. C'est dense, hein? C'est dense, hein? Comme info, hein? C'est dense, c'est dense, mais ça va. Plus qu'à. lieutenant, mais quoi? J'ai dit lieutenant, c'est pareil, le lieutenant, lieutenant. qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu as toi bébé le lieutenant, qu'est-ce que j'ai dit Tu fallait le nerf santé, qu'est-ce que c'est cette connerie là SMS, j'ai vu le SMS, j'ai monté le son, j'ai monté le son de, de Val, j'ai monté le son de TeamSpeak, mais après je peux pas faire mieux les gars, tout est autre, hein. monté, euh, à droite, montez, allez voir euh, l'oreilliste, hein, je vous le dis. Bon ça va, vous avez kiffé le petit background <laughs> Quand je, quand je l'ai écrit, j'étais mort de rire, quand je l'ai écrit, j'étais mort de rire les gars. Truc du euh, couscousman, euh... enfin c'est pas couscousman, c'était... Euh... C'est le euh, jury national du meilleur couscous de France. Euh, et, et donc, le fameux, le fameux lien avec la merguez, les amis, il est là. Il y a toujours un lien avec la gazmer, les amis. La gazmer, c'est la base. Le lien avec la merguez, c'est le couscous. Voilà. Donc là, euh, lui, il est marseillais. Et, et euh, ce moule d'argent, les amis, ce moule d'argent au concours d'Aix-en-Provence en 2013, pour chiche d'or à Antibes, merguez d'honneur, Merguez de Donneur les amis, Merguez de Donneur en 2021, à Toulon, et Pastis Doré à Marseille, et Pastis Doré à Marseille, et c'est Bernard Moquette qui y a filé les gars. Non mais voilà quoi, donc il fallait que euh, qu'on qu fasse ce petit, ce petit, euh, ce petit entretien LSPD LSP ensemble les amis. Euh, là, ça va partir en mode. Euh, il est what time Il est 22 hein, Ça va partir en mode, euh, en mode taxi. Hein, J'ai rien d'autre à foutre tout Donc, euh, si je peux aller, je peux boire un pastis. Un pastis là. Et je vais être bourré après. Donc euh, voilà. Je vais aller faire un petit peu de taco C'est pas foolish foolish comme RP. Donc c'est pour ça que je vais couper le live, les amis. Euh, on va partir euh, chez quelqu'un d'autre. Euh, je vous embrasse, les amis. Euh, C'était voilà le petit aparté pour le lord pour le lord mais pour le lore de, de Marius. On verra bien. Euh, J'essaierai de live le plus possible là. Euh, euh, non pas que... En fait c'est juste que je me dis que le RP taxi, il est pas fou, fou. On va d'un point A à un point B et... Et puis voilà. Euh, donc en termes de, 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 de Comment dire De proposition euh, de, de CNRP, c'est un peu, un peu limite. Euh, donc euh, je ne sais pas si je streamerai euh, demain. Je, je, je me tâte, je verrai ça sur le, sur le coup, les amis. En attendant, je vous embrasse. Euh, on va partir chez qui Il y a qui euh, C'était vraiment manière de, de marquer le coup. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous, les amis. Euh, même si c'était court. C'était... Euh, on s'est bien marré avec euh, avec Fan de San euh, Triclub qui a lâché son petit euh, son petit son, son petit pour euh, son petit sub à Willings merci encore euh, on va faire ça on va je vais vous souhaiter une bonne soirée on va partir chez qui y a qui là euh, y a Kamak Maverick Onelus, Sushint y a, y a qui je sais pas qui qui, qui y a euh, côté euh, côté non pas Kamak Hermanel euh, Xerac, Jack-Max, Riori. T'es pas là pour les adieux, mais le currier, t'inquiète pas. J. C'est qui ça <laughs> C'est qui ça G.E.B. G.E.B. Qu'est-ce que c'est qu -ce Quoi Je... -E -E Je connais pas. Euh, putain, y'a du monde ce soir. Euh... Zupa, Linkskit, euh... Satsu, on part chez Satsu, les gars on va chez Satsu, on envoie... Euh... Allez, direc direction le petit Adam. Vous nous donnez de la force. Merci, Krakal. for the follow. Euh... satsu Sats... c'est difficile à dire. satsu shin. satsu zero Vous l'embrassez de ma part. Vous lui faites des bisous, il répare des voitures. C'est le Ryan's. Euh, moi, je vais aller tourner un petit peu avec les tacos. Vous me verrez euh, peut-être sur d'autres lives. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Et si vous voyez... Euh... Euh, une, un couscous passé euh, c'est rien ce n'est que marius pipoulin il hein, n'y a pas y a, y a aucun, euh, y a aucun problème bisous tout le monde je vous embrasse merci encore d'être présent même si c'est que pour euh, une heure et demie vous avez géré du steak je vous kiffe je vous love bisous bisous ciao, ciao.